nous avons commencé la riziculture en 2006 avec un hectare. En 2008, nous avons fait 3 hectares avec un rendement qui tourne autour de 2 à 3 tonnes à l'hectare. Avant profit, nous pratiquons le riz avec des outils à écailles comme la roue, le coupe-coupe, les pagnes pour le séchage. Et ça nous donnait beaucoup de difficultés et nous rendait le travail pénible. En 2015, notre groupement s'est converti en coopérative avec 5 membres. Donc, dans la même année, nous sommes entrés en partenariat avec Profit pour le MIC. Et nous avons demandé les équipements comme 5 bâches, un motocuiteur, 32 sacs d'NPK, 12 sacs durés et un tricycle. Projet Enabel de notre Profit. Le projet Enabel qu'on appelle Profit nous a pris à deux mains. Comme il nous a pris, il a vu notre travail, il est content. Il a vu qu'il peut faire avec nous et on s'est mis en partenariat avec lui. On les a envoyé un courrier, ils ont pris et ils ont accepté ce partenariat. Et on a demandé certaines choses, ils n'ont pas refusé, ils nous ont donné. En temps, si nous semons les riz, c'est nous-mêmes qui dépensons pour acheter les engrais chimiques. Ce qui fait que le riz n'atteint pas certaines étapes qu'il faut. Maintenant, Profit nous a aidés et nous a donné 44 sacs d'engrais. Parmi les 44, il y a 32 urées et 12 NPK. C'est cette quantité d'engrais que nous avons mis et vraiment nous constatons que le rendement sera différent. Profit nous a envoyé également des animateurs. Et ces animateurs nous forment sur comment faire la production. Il s'agit de comment cultiver le riz, de comment semer le riz. Ils nous ont parlé sur le rendement que le riz va nous donner après ces manières de semer. Ils nous ont formés aussi sur comment sécher le riz pour que ça ne se gâte pas lors de l'égrenage. Et tout ça là, c'est déjà une formation que nous avons reçue sur la production du riz. Et comme ils nous ont offert aussi une machine maintenant, nous sommes plus libres qu'avant. Car en temps, c'était 3 ou 4 états que nous cultivons. Maintenant, nous sommes déjà à plus de 8 états. Et ce n'est pas encore fini. Nous allons continuer encore. Donc, après notre partenariat avec Profit, l'avantage que nous avons tiré, c'est trop. Je ne pourrais pas tout dire ici maintenant. Nous produisons du riz. Moi, personnellement, je fais demi-hectare. Quand je l'ai fait, avec l'appui de Profit, où on a bénéficié d'engrais, et comme j'ai utilisé d'engrais associés à l'utilisation des équipements motorisés, j'ai constaté que la production s'est considérablement améliorée. En dehors de ça, on nous a donné des formations sur le SRI, le système de riziculture intensif. Et quand on l'a fait ainsi, le riz a donné une très bonne production. Et à travers cela, les revenus se sont améliorés. On a acheté des motos, on a construit des maisons. Et nous profitons pour dire que le fait, l'appui que Enabel nous a donné, nous a permis de réduire nos difficultés, d'améliorer notre revenu. Oh,
Cette coopérative a été constituée en 2015 et quand on a fait la coopérative, nous avons démarré la production du riz. Mais nous sommes confrontés à un certain nombre de problèmes comme le ramassage du riz, le site de production vert, le site l'aide de séchage ou la maison. Mais nous étions là quand nous avons entendu parler de profit. Et nous avons soumis une idée de projet. Et en 2017, les activités de profit ont démarré avec nous. Quand on a démarré les activités, premièrement, Profit nous a donné Trisic. Et cela nous a vraiment motivés et nous avons augmenté notre embravure. Et même la production de cette année, on n'a pas encore totalement ramassé ça du champ. Le montant de la contribution de profit pour le projet, c'est 5 098 000. Et notre apport personnel s'élève à 1 million et quelques. Et cette année, le riz que nous avons fait a donné trois fois ce qu'on obtenait avant l'arrivée de. Les équipements que Profit nous a donnés n'est pas à l'usage personnel. Les équipements sont destinés à tous les membres et chaque membre peut venir louer dans la coopérative et l'utiliser sur son site. Si ce n'est pas grâce à Profit, nous n'allons pas évoluer dans notre activité de production. Donc, nous devons prendre nous. Nous sommes au total 36 membres dans la coopérative. Il y a 28 femmes et 8 hommes. Les femmes sont plus nombreuses dans la coopérative. Nous nous sommes regroupés dans la coopérative pour nous entraider. Chacun travaillait de son côté, vaille que vaille. Il y en avait qui n'étaient pas des agriculteurs ni agricultrices. Il y en avait qui étaient des manœuvres, des ouvriers. Nous avons décidé dans notre regroupement de faire de la production. Ainsi, dans notre groupement, nous cultivons les tomates, oignons, piments et autres produits vivriers. Nous étions là quand il y a eu un partenariat qui est né avec le programme Profit de Enabel. C'était en 2016 et nous avons été invités à une séance d'information à la mairie de Grand Popo. À la suite de cette séance d'information à la mairie de Grand Popo, nous avons reçu notre convention de partenariat et nous étions très contents. Nous remercions encore Enabel qui nous a fait confiance parce qu'ils sont venus voir ce que nous faisons et ils ont décidé de nous appuyer. Avant, lorsque nous cultivons oignons au moins 4 hectares, nous pouvons faire un chiffre d'affaires de 7 millions environ. Aujourd'hui, grâce à Enabel et à l'accompagnement de Profit, lorsque nous cultivons 4 hectares, nous pouvons faire un chiffre d'affaires de 15 millions, soit le double de ce que nous gagnons avant. Et lorsque nous enlevons toutes les charges liées à la production, nous nous retrouvons avec un bénéfice d'environ 5 millions et nous sommes tous très, très contents ici. Et pour dire vrai, aujourd'hui, quand nous nous voyons, nous-mêmes nous remarquons que notre condition de vie a beaucoup changé. Beaucoup de choses se sont améliorées dans la vie des membres de la coopérative. Avec l'appui d'Enabel sur nos champs, vraiment, nous sommes très soulagés. Nous sommes très contents parce que nous avons appris, mais aussi on nous a renforcés. Nous avons appris à mieux faire les choses, à mieux cultiver la tomate, l'oignon, tous les produits que nous cultivons ici. Et vraiment, nous sommes très contents. Sur mon site maraîcher, je fais des spéculations telles que la tomate, la grande morelle, le piment long, l'oignon, la carotte,
la betterave, le persil et un peu de chou. Avant même les appuis de Enabel, je vais dire que le rendement que nous obtenons n'était pas aussi élevé parce que tout le dispositif qui doit accompagner la production n'y est pas. Avec les tirsiques obtenus de Enabel, le coût de production a baissé parce que nous utilisons désormais nos tricycles pour le convoyage des fientes aussi bien de volailles que de la bouse de vache pour la production, ce qui nous réduit le coût de production. Et par conséquent, ça agit sur le revenu net de notre production. Enabel a dissipé nos craintes et nous a permis d'avoir de nouvelles lueurs d'espoir. On est devenu des entreprises agricoles aujourd'hui. Et avec également l'appui non financier de Enabel, avec l'ONG MRJC, vraiment, nous sommes comblés. Parce que de par le passé, avant même d'avoir accès à une subvention, il faut débourser de l'argent pour la rédaction du micro-projet, ce qui n'a pas été le cas de Enabel. Nous souhaiterions que d'autres également partenaires emboîtent le pas à Enabel. Oui, bonjour, je m'appelle Agonglovi Abla Bili. Je suis propriétaire du domaine que voici. Le domaine a une superficie de 2 hectares. Je suis essentiellement basée dans la culture des produits maraîchers tels que la carotte, l'oignon, le piment, la tomate. Vous savez, depuis que j'avais décidé de m'installer sur mon propre compte, je me suis affiliée à la coopérative La Grâce de Dieu. Et j'ai eu à bénéficier par la coopérative des graines, de l'engrais qui m'a permis de produire cette année. Grâce à l'appui de Enabel que nous avons reçu les graines de tomates et de piments, de l'engrais et d'autres outils de travail. Donc au début de la saison, j'ai pu utiliser les graines que nous avons reçues pour produire très tôt de la tomate. Grâce aux recettes de la tomate, j'ai eu à produire la carotte sur mon second site que voici aujourd'hui. Avant cette subvention, je ne produisais pas sur toute la surface. Je produisais au moins le quart de la surface parce que les moyens financiers, il n'y en a pas aujourd'hui. Et comme j'ai eu cette subvention, j'ai pu emblaver 2 hectares de superficie pour la carotte. Or, avant cette subvention-là, je ne faisais que le quart de la superficie. Je remercie Prof. Enabel pour son appui, grâce à laquelle nos conditions de vie ont changé aujourd'hui. Avant, je ne participais même pas aux charges de la famille. Mais cette fois-ci, j'arrive à aider mon mari à payer la scolarité des enfants, à subvenir aux besoins de la famille. Je dis aux jeunes diplômés ou non comme moi que la terre ne mange jamais. La terre nourrit toujours son homme. De ne pas se cacher derrière leur diplôme, disant qu'il doit chercher un emploi quelque part. Donc, de venir travailler la terre comme moi pour s'épanouir dans la vie. Nous, les membres de la coopérative La Grâce de Dieu, nous sommes allés à la rencontre de l'équipe de Enabel. Ce qu'ils nous ont fait est si grand que nous ne savons pas comment les remercier. Mais nous avons un tout petit présent à leur offrir, car quand vous avez un bienfaiteur, vous devez également lui rendre hommage. Ceci est la manifestation de notre reconnaissance à Enabel. Nous allons remettre à notre maman Clarisse et lui dire encore, au nom de toute la coopérative, merci. Merci, merci beaucoup à vous. Enabel est très ravie de ce geste-là. Et par ma voix, vous encourage votre coopérative, La Grâce de Dieu, à aller de l'avant dans ce que vous êtes en train de faire. Déjà, à travers les superficies que vous avez emblavées, nous avons constaté que ce que vous faites, c'est largement amélioré. Vous avez doublé votre superficie. Nous en sommes très fiers. Nous vous remercions, nous vous encourageons et nous vous félicitons. Continuez à travailler et Dieu est avec vous.
Merci. Merci. Merci.